Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Métaphore Rifantasio, où, rappelez-vous, on avait terminé le donjon de la vachette, et on l'avait tué. Donc au moins maintenant nous sommes sûrs que nous allons réussir à faire... What? Leave it to me. Eh bien, le boss, parce que c'était cette quête-là, c'était du 2 ennemis, et le boss nécromancien, c'est 2 étoiles. Donc, on a, on sait qu'on a la force. Alors, on rentre en ville, on a terminé la quête. Donc, on va être la nuit, on va aller rendre cette quête, peut-être qu'on aura le droit d'acheter des choses à son magasin maintenant. Et ce sera déjà pas mal. Toi, la taverne de grand train. Right. Nous avons abattu le Guptaros, comme nous l'avait demandé la femme de la boutique de catalyseur. C'était bigrement puissant, mais on s'en tire sain et sauf avec des preuves. Ouais, il manque un bras, une jambe, on est sain et sauf. Dès que l'on aura terminé sa requête, on pourra enfin devenir membre de la boutique. Oui! Cela nous aidera à gagner en puissance. Je compte sur toi pour compléter cette requête. Got a sec? Plus que 5 jours avant le jour des calamités. Right. Comme l'armée étatique, oui. Ça, c'est générique. Ok, on va aller rendre la quête, ça nous donnera un peu de... And the age of a new king draws nearer. Ok, donc il me reste 5 jours, donc ça va être quoi, le 23, c'est ça? Je crois. Va regarder le calendrier. There's no time. What's happened? Alors, mon calendrier. C'est pas ça. J'ai pas un calendrier? Ah, si. Alors, 19, 20, 21. C'est quoi le 21? Ah, c'est le 21? Ah, donc il faut avoir tué le nécromancien le 21. D'accord. Ok. You'll be a lifesaver. Youhouhou. Alors pourquoi je me mets sur mon épée? Il y a... Il y a un défi, voilà, où il faut faire un certain nombre de kilomètres en épée. Voilà, sachez-le, il y a un succès, c'est ça. Ok. Jacqueline. Et problème. Voici sa corne. Ah, ça nous prend toute la journée. Ah, ça, je le savais pas. Et donc, la corde de brute. Montrer les détails à l'intérieur, venez. Ah ouais, ça fait passer toute la journée. Ah, ça, je le savais pas, heureusement qu'on l'a fait. Heureusement qu'on l'a fait plus tôt. You'll have your reward. I'll let the merchant know to allow you through as well. I thank you. Un catalyseur pieux. All right. En courage. Très bien. Alors on est niveau 2 en sagesse. Hein. I knew an outsider would be perfect for slipping through the cracks. Clearly, you were the right man for the job. You should keep our supply lines flowing smoothly. Thanks for helping us sort this out. By the way, what do you say to more consistent work from me? What? I can't imagine an elder could find an honest job in this city otherwise. C'est pas faux. I don't much care what tribe you are. I'll always make sure you're paid properly for the work you do. Besides, keeping in contact with me might have its own advantages. C'est que ça ne semble pas trop mal. Mais d'accord. All right, I accept. A wise choice. Fine then. You seem determined enough. Oh, un chat. You heard nothing just now, right? C'était quoi? What made that noise?
It was just the wind. Am I clear? I've got some business to attend to. We'll go our separate ways for today. However, if you do tell anyone, well, I'm sure you're sharp enough to imagine the consequences. C'était juste un chat, quoi. Then we have a deal. Alors le when we have a deal, je l'ai tellement entendu dans FF10. Pour ceux qui savent. Pas une pointe de confiance derrière la méfiance affichée des Brigitta. The traitor and iconoclast, Brigitta. Within her dwells the virtue of the merchant. Woohoo! Nous avons un nouveau truc. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Donc si on n'avait pas accepté, on l'avait pas en fait le. On n'avait pas le marchand. Interesting. Perhaps it does have hidden depths. Ah, donc on peut ne louper des quêtes, enfin des archétypes. Sachant qu'il y a un défi, c'est de faire tous les archétypes à fond. Absolument tous les archétypes du jeu à fond avec le personnage principal. Le marchand. Vous pouvez maintenant étudier l'archétype de marchand. Je peux maintenant acheter des objets, ok. On va voir ce qu'il nous vend. Ah, j'espère qu'il les vend des larmes. Pick up your next job here. Come back another day. Par contre, il y aura aussi des quêtes qui vont nous demander des... Comme là, des 50... Enfin, des deux, des niveaux 2, des niveaux 3 en... What now? En... Machin. On va, par exemple, il va nous demander niveau 2 en courage qu'on n'aura pas. Donc, il va falloir aussi augmenter ça. Alors le marchand, ça fait quoi? Faible à la lumière et au feu. Endurance, agilité, chance. D'accord. Alchimie, attaque de l'or. Ah oui! Il y a un défi aussi où il faut claquer, je sais plus, 750 000 balles. Avec des attaques qui demandent de l'argent. Chance de gagner une faible somme d'argent chaque fois qu'il est étourdi ou vaincu lors d'un combat rapide. Ah ça c'est pas mal. Inflige de faibles dégâts sacrés physiques à un ennemi avec un taux de critique élevé. D'accord. Augmente de 20% à obtenir des objets après un combat. Ah ouais c'est fort. Augmente de 20% les effets des consommables, renforce davantage l'effet en cas de présence. 20% l'effet des consommables, donc quelque chose qui vous vaut en 100 points de vie, vous en rend 120. Fort. Mais donc les attaques aussi alors. Ouais, c'est fort. Ça peut être fort. Augmente l'esquive en cas d'attaque de feu. Ouais, c'est très précis. Hein. Mais comme il est faible au feu. Hop, du magla à un ennemi. Ah ouais. De la régène. Ah ouais. Dissipe tous les effets de stats, compétences physiques et de compétences d'augmentation de tous les ennemis. Ah ouais, c'est fort. 36 PM quand même. 777 d'argent, évidemment. La machine à sous. Faible précision, mais tous les coups portés infligent des dégâts sacrés physiques critiques. Ok. Il a l'air particulier à jouer le marchand. Mais ça peut être très très drôle. L'érudit, qu'est-ce qu'il me veut? On peut acheter... Est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Je sais pas si c'est... Quand tu l'as fait, on te dit mais n'achète pas. Ah, lui, oui. Lui, il faut. Just between us.
Il y a un étal qui vend de l'herbe rouge. Vous savez, celle que Fabien utilise souvent dans son fameux plat. À vrai dire, l'herbe rouge vient de la même région que Fabienne. Ce n'est pas loin de Grandrade. Mais cette herbe est plutôt difficile à trouver. C'est pour ça que le propriétaire de l'étal ne vend les herbes qu'à des clients préférés. Et là, ils vont envoyer quelqu'un qui ne connaît pas. Mais après tout, vous connaissez déjà Fabienne et vous connaissez Grius. Si vous en cherchez, parlez-en aux commerçants. Entrez dans les 6 en vous obtenant un ingrédient précieux. Ah, nice. Hey! Il y a beaucoup d'ingrédients à trouver à Grandrade si vous voulez cuisiner. Alors, on vend la viande. Ok, la boutique d'eau vend de l'eau. Bien, j'ai entendu dire qu'il est possible de préparer un plat du village natal de Fabienne. Vous devriez essayer. Et je vais quand même acheter ça. Au moins, on va acheter les infos. Qui vous a parlé du couloir? Il recèle sans doute de nombreux trésors. Cependant, on dit qu'un Guptaros rôde en son sein, une bête bipède gigantesque armée d'une hache. Ce monstre est très connu des aventuriers. Il déteste ceux armés d'un bâton ou d'une masse. Ça le rend fou de rage, méfiez-vous, et commence à concentrer sa force. Le prochain coup pourrait être fatal. Synchronisez vos attaques pour faire chanceler et interrompre son attaque. Utilisez des frappes d'estoc rapides à la lance pour l'achever. Just between us. S'il s'avère impossible, restez simplement sur vos gardes. Sa défense ne vous fera pas gagner le combat, mais vous survivrez plus longtemps. Okay. Dernière chose, vous avez rencontré de nombreux Goborn là-bas. Ils comportent plus ou moins de la même manière. Utilisez donc des épées et des lances. Ah. On va vous avertir, l'endroit grouille de monstres qui font passer ceux de la grande cathédrale pour du menu frétin. Ok, donc on aurait pu avoir les infos ici. Mmh. Yeah. J'ai pas ça parce que j'ai pas l'herbe rouge. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. You're a big... J'ai pas d'herbe rouge. Ok. J'aime bien ce qui me manque. Je vais donner un coup de main. On va s'améliorer en tolérance. Allez, c'est parti. Next up is... Then... Utiliser moins d'huile, ne pas fouetter, faire cuire à feu doux. So then... Oh yeah? Sans huile, les œufs ont brûlé. J'imagine qu'on doit d'abord même servir au client. Ah. Mon aide. Ah, ça me donne peut-être moins de tolérance d'avoir loupé. Les gens ne sont pas tolérants avec ceux qui loupent la cuisine. Bande de saligots. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Et ben on va y aller, parce qu'il nous reste plus que 2 jours. Bon, on n'est pas loin du boss, normalement. It's nearly time. Notre calamité approche, il faut mettre un terme aux machinations de ce nécromancien, ou je crains que nous ne soyons plus jamais en mesure de l'arrêter. Cette ordure souille les défunts sans la moindre vergogne. S'il qualifie son prochain forfait de calamité, on risque de sombrer toujours plus dans l'horreur. Absolument pas accepter ça, mettons la main sur ce dingo. Plus que 3 jours avant le début des calamités. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons nous dépêcher. Oui. Allez. 19 à 21, ok. We should hurry. What's happened? Hop là. Youhou. Alors je fais ça hein, pour évidemment avoir le... Vous savez que je suis pas un chasseur de trophées, mais bon. Il y a des trophées faciles à faire. Moi, ça me dérange pas. Alors, je peux acheter des trucs ici. C'est une boutique de magie. Alors, je me dis que je pourrais acheter des trucs pour la magie. Hey. All right. Attraper, que tu savoir d'autre? Les alliés. On dit que personne n'a besoin de parler pour l'instant. Okay. Alors ça aussi, il faut lui parler, je sais plus combien de fois. Soit les a acheté un catalyseur magique. De la bouche même de Brigitta Lican, la représentante de l'association. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider à trouver le catalyseur dont vous aurez besoin. You have my thanks.
Ceux qui font leur devoir méritent une juste récompense. Désormais, vous pourrez examiner à loisir les articles de cette boutique. Je peux maintenant solliciter... Okay. Alors, je peux acheter des choses. Ça va, ça coûte rien. 55 000 balles. Ça doit être de grandes magies, des magies très fortes. Évaluer, j'ai des trucs à faire évaluer. Oui, des armes rouillées. Une masse en argent, très bien. Un bâton de Frima. Et pèlerine de Sanctor, ok. Je peux te vendre des choses, je vais te les vendre. Non. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. What now? Équipement. Hop. Alors, on est parti en explorateur. Je sais pas ce qu'il me faut pour attaquer. Ce sera le guérisseur, évidemment. The power of healing. Oh, le guerrier, oui. Le plus fort. You can trust in me. Il a déjà le meilleur équipement. Leave it to me. Et elle aussi. On n'a pas encore essayé le brawler. Mais il me faudra forcément le soigneur hein, pour tabasser... All right, then. Pour tabasser les morts-vivants. Parce qu'on fait des dégâts sacrés. On va aller acheter de l'herbe rouge. Allons-y. Hop là, et on va aller bien avancer dans l'histoire. On fera le truc de la bouffe plus tard. Hein. Hop là, c'est lui l'herbe rouge, je crois. Si l'herbe vous intéresse, veuillez m'excuser, mais je ne vends qu'aux amis habitués. Vous connaissez Grius ? Ne me dites pas que c'est vous qui fréquentez l'abeille ces derniers temps. Vous êtes son ami, vraiment ? Originaire de la même ville que Fabienne, donc on se connaît depuis longtemps. Il m'est venu en aide plus d'une fois. Fabienne est un homme ? Ou alors il parle de Grius ? Je ne sais pas. La nouvelle de son décès a été un choc, ouais, donc il parlait de Grius. Mais quelque part, au fond de moi, je savais que ces choses se termineraient ainsi. Je viens vous refuser un ami de Grius. Alors, vous êtes intéressé par l'herbe rouge que je vends? Vous pouvez m'en acheter 150 livres. Vous payez les 4 pour 500, bah vas-y. Serait utile pour la cuisine, en fait, tu en as actuellement 0. Oui, j'achète. Thanks. Merci infiniment pour votre générosité. Ok. Ok, on pourra faire la le bœuf machin. Mais on va aller faire... Donc je peux toujours pas acheter des trucs de magie. Ça c'est embêtant. Mais là, on est tous full. Got it. What do you think? Allons-y. Allons ailleurs. Where to? Chambre des serviteurs. Mais ça, on est d'accord que je pouvais pas y aller. Hein. Et j'ai toujours pas trouvé la clé du coffre qui est... Vous voyez la souris? Oui. Donc ici, on peut pas y aller. Ici, on peut pas y aller. J'ai pas trouvé la clé du coffre qui est là. Mais là, il peut pas y avoir... Ah, il y a peut-être un passage, là. Allons ici. De toute façon, une fois qu'on est à la chambre des serviteurs, on peut se téléporter ailleurs et que... Là, il y a plein de combats qui vont être en mode facile. Parce qu'on est d'accord que là, j'ai toujours pas la clé. Hein. J'ai fermé la clé. On est prêt. Non mais il n'y a pas la clé là. Une robe qui est réduite en lambeaux, on dirait une statue. Mais la clé est pas là. Imaginez la clé est là.
Ok, il n'y a pas de clé. Alors... Moi, ce que je veux voir, c'est... Alors, là, on est d'accord que là, voilà. Là, on peut pas du tout y aller. Peut-être par derrière également. Ici. Cassez-vous, cassez-vous. Ouais, et là, il n'y a pas de trou pour se faufiler, on est d'accord. On voit pas derrière les machins. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... Et ça, est-ce qu'on peut aller derrière? On va aller voir. Parce qu'on a vu qu'on avait loupé des passages assez évidents. Alors, sachez que ça... Il y a... Il y a aussi un... Un machin où il faut les en tuer. Voilà. Il faut en tuer je sais plus combien et il y a un défi pour les tuer. Voilà, comme ça donne plein de trucs. Hop là, tant qu'à faire. Et ici c'est pareil hein. Si il y a un passage là, je l'avais pas vu. Tué par des cadavres, c'était peut-être un ennemi. Je suis quand même navré pour lui. Porte la clé autour de sa taille. Clé de la chambre des invités. Yes! Semble être la clé d'une petite pièce, elle pourrait s'avérer utile. Hey! Ah yes, yeah, j'ai bien fait de revenir. J'ai bien fait de voir. Ah, merci le... La machin des, du Gultaros là, du Cuptaros, je sais pas quoi. Donc, là maintenant, je peux aller faire le combat difficile pour avoir la clé du coffre qui est là. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Genre. Amazing. Okay. Là j'ai la clé. Mais oui, voilà. Quelque chose d'étrange derrière cette porte, on dirait qu'il y a une grande quantité de magla. Peut-être des otages abandonnés, que fait-on? On va voir ce qu'il y a dedans. Oh non! Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Allez. Des zombies quoi. Pile de cadavres, peu surprenant. Allons-y. Bah s'il y a que quelques cadavres, ça devrait le faire. Allez, on y va. Try some of this. Next. I will fight. Let's go. Light. Nice. I stand ready. Bon. Fight there. I can't afford to. Taste steel. Two remaining. Level 2. OK. Just one left. Je crois qu'on va quand même se prendre une attaque, à moins que... Non, nickel. Port fongique. Nice. Récupère des objets. Bon, c'était un combat facile. Hein. Évidemment. Hein? Une voix, il y a des survivants. Jackie Lafrite, bonjour. Les secours sont enfin arrivés. Sachez de ne pas bouger, il ne faut pas que vous perdiez plus de sang. Peu importe, il ne me reste plus beaucoup de temps, il y a plus urgent. Est-ce que le coffre est en sécurité? What? Celui qui est près de l'entrée? S'ils utilisent ce que contient ce coffre, si le trésor du sanctisme est volé, le trésor ne doit pas tomber entre les mains de ce vaurien de Louis. Il vaudrait mieux que vous le preniez. Ah bah oui. Look. Quelque chose dans sa main. La clé du coffre. Parler d'un coffre trésor, ça doit être la clé. Les morts à la défendant, si possible, j'aimerais accomplir les dernières volontés. Bah oui. Oh que oui, on va accomplir sa dernière volonté. Oh oui. Donnez-moi le coffre. Donc c'est à moi. Y a personne d'autre.
le coffre. Le coffre. Collier du sceau sacré. Hey. Est-ce que les trésors dont parlait le moine, je m'attendais pas à quelque chose de plus. Regarde mieux, ça ressemble à un catalyseur. Il a bien dit qu'il serait dangereux que Louis s'en empare. Alors, ce n'est pas un collier ordinaire, prenons-le. Speaking of. Mais attends, c'était un objet. On est d'accord que je ne peux pas. Ouais, je peux pas le prendre. Donc il doit être dans mes objets ici, objets clés. J'ai pas beaucoup d'objets. Collier du sceau sacré. Donc ça c'est fait. Bien. Ah voilà. Là, on avait tout fait. C'était ici qu'il y avait une porte qu'on n'avait pas ouverte avec un coffre. On est d'accord, hein. De toute façon, maintenant on a l'ascenseur, il est débloqué. On l'avait pas débloqué ? Niveau supérieur, niveau intermédiaire, niveau inférieur, voilà. Watch out. Attendez. Non, ça c'est le niveau du boss. Oui, c'est pas celui-là qu'on veut faire. Pas moyen de redescendre avec un... Oh ! Un ennemi comme ça. Tuons-le. Ok. Allez ! Ça nous donne des bonus, alors on va le tuer. Hein. C'est très facile à tuer. Donc moi, si ça me donne 700 balles, ça me donne 700 balles, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Ok, donc on va aller au niveau juste en dessous. Hop. Il faut parler à l'ascenseur. Mais non. J'ai été trop vite. Là, je suis pas au niveau intermédiaire, on est d'accord. Ah si. Ok. Et donc, on a bien la porte qui est fermée là. Alors. Il y a moyen de rentrer dans cette porte, j'en suis sûr. Voilà. Donc. C'est de l'autre côté qu'on doit aller. Look, it's that cat. On va faire gaffe parce qu'il y a des gargouilles qui sont des ennemis. Yep, we're safe here. It's all clear. Everything's pretty standard. Yep, we're safe here. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'elle, elle voit les... It's all clear. Les passages secrets. Hein. Yep, we're safe here. On rappelle. It's all clear. Oui, et ça c'est pour passer de l'autre côté. On le sait. Yep, we're safe here. Mais si on passe de l'autre côté, on ne peut que sauter d'un bras à l'autre. On peut pas aller à l'étage inférieur. Là, on s'en souvient. Comme moi, je veux les coffres. Il y a forcément moyen d'ouvrir cette porte. Everything's pretty standard. Et là, le coffre. Dans le coffre, c'est la clé de la porte. It's all clear. Ça, c'est la truc anti-magla. Everything's pretty standard.
Et ça, c'est la fameuse porte fermée. Parce qu'elle est verrouillée depuis l'autre côté. Would sure be a pleasure to find some treasure. I think there's treasure nearby. Yep, we're safe here. Et il faut... C'est peut-être dans la salle principale, hein, qu'on aura la solution. Want to rest a bit? No. Looks like they found us. Merde. We'll hold our ground. I've been cursed. Eh, ça va. Ça va. Scroll's been hexed. He's gonna get hit with backlash if he attacks. Stroll can't take anymore. Someone heal him. Come forth, royal soul. Light. Stay sharp. Ça les... Ah oui, ils ont ça, c'est vrai. Stroll can't take any more. Someone heal him. Oyo, I will fight with pride. By this power. Flare. Just one left. I get to you. Captain. You first. Stroll can have... healer. Light. Hit with backlash. T'inquiète. C'est vrai qu'ils ont le renvoi, que si tu fais pas des dégâts auxquels ils sont faibles ou de la magie. What a finale! Keep your energy up, everyone! I got hit by a curve. What now? Alors, Ah non, c'est compétence, pardon, je me suis trompé. Voilà. Non. Looks like they found us. On s'en va. Our usual tactics for my own justice. Stroll's been hexed. He's gonna get hit with backlash. Passer. I will fight with. Let's go. Flare. Stay sharp. It's up to you, Captain. Go for it. I won't hold back. Voilà. On s'en bat de dégâts. Donc passer, c'est une demi, c'est un demi truc, d'accord. Mais... Ah ! What's up ? Quelque chose se tracasse ? T'as-tu devrais réagir au collier ? Est-ce que le collier que nous avons trouvé dans le coffre pourrait, est-ce qu'il... What ? Regardez la statue. Oh là là, mais c'était donc une énigme. Et donc on va aller... Quelle surprise, je ne m'attendais pas à un pari stratagème. J'imagine que le collier était la clé pour déplacer la statue. C'est vrai qu'il était caché dans le coffre trésor. Et que la clé magique, cela signifie que le trésor dont a parlé le moine se trouve derrière. That being the case. Ah. Ok. Donc, il faut qu'on monte là. Il faut qu'on aille ici. Ah bah non. Eh ben non. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Hop. Il faut forcément qu'on aille par ici. Everything's pretty standard. Puis ici. Yep. Voilà. Ok, nice. Hop là. Ok. Would sure be a... Donc c'était un bel enchaînement pour cet objet. Oh, d'exorciste. On montre l'esquive contre les ténèbres. Peut-être bien. Je sais pas. Ah, tu peux pas mettre la robe de l'exorciste. Ah, on me dit que c'est moins fort en défense. Ça me donne plus de magie.
et plus d'esquive contre les ténèbres. Oh, c'est bien ça. Nous, on veut de la magie. Et voilà. Ah oui, oui, c'est le fait de pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Bon, on va sauvegarder. Et on va pouvoir aller contre le boss. Pour le coup. Et je pense qu'on aura tout. On aura tous les objets de cette zone. Let's go. Nice. Je suis content. What now? C'est bien. Je suis content du fait que les coffres et tout, il y en a qui sont durs à choper. Enfin, tu dois faire un enchaînement comme là. Pour choper ce coffre, il faut faire un enchaînement. Il faut faire plusieurs choses pour l'avoir. Je trouve ça sympathique, personnellement. On a déjà sauvegardé, hein, donc on peut aller directement contre le boss. Le bastion de notre ennemi est devant nous, enfin le nécromancien il sera. Sans l'ombre d'un doute, le sceptre royal qu'il cherche s'y trouve également. Alors en route, on ne peut pas les laisser faire ce qui leur chante. Bah oui. Et on va les tabasser. Ok. Ok, il y a deux soldats jaunes. Je peux pas prendre le risque de me faire flinguer. Qui t'en est taille oblique, mec? Allez, 193 seulement. Non. Aïe. Aïe, ça va. Damn you, not done yet. 74 de pied. I stand waiting. Get them. Obligé à me taper. Brace yourself. Voilà. Only one left. Finish them off. We're clear. You dare defy Hans Luis? This is bad. A tough one. Fight there. Damn you. Ah, elle l'a pas tué. C'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Gutenberg. Aïe. Here they come. Stroll's been burned. He better watch out for any enemies attacking him. They got me. On va le soigner. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Nice. Alors. Oui, ta brûlure te fait mal, on sait. Alors, on a des fils d'Ariane, on a des médicaments, on a des potions de magla, des pilules de magla, c'est bon. Poison, maladie, paralysie, maléfice, brûle. J'en ai qu'une. Voilà, j'en ai plus. Alors, pourquoi j'utilise le sien, hein? Parce que ça lui coûte rien. Et on ne peut pas le faire en dehors des combats. Je le rappelle. Ça coûte que 2. Voilà. Des objets sur la table. C'est que le tableau de Louis. C'est un portrait, ça? Speaking of. Des gens ont dit que les portraits des anciens rois étaient suspendus dans le centre de la grande cathédrale. Et tous les tableaux ont été jetés à la place et ils ont mis son seigneur Louis, ce gredin de Zorba. Zorba, c'est son nom. On dirait que vous le connaissez. Non. Juste un peu, il a toujours une mauvaise réputation. Louis est le seul qui n'en a eu cure et qui l'a pris sous son aile. Mauvaise réputation? Pourquoi une mauvaise réputation? Lors de mes années de chevalerie, c'était un ingénieur militaire. Il avait quelques compétences magiques. Lui permettant d'animer les objets inanimés, mais ses sorts purement offensifs étaient pitoyables. Son passé ne lui a pas fait de cadeau. C'est un sang-mêlé des païens Mustari qui vient d'une famille de roturiers. Un autre paria pour l'armée.
Oui, et le seul qui a vu son potentiel de ses pouvoirs d'animation. C'était un art subtil possédant une énorme utilité. Cela va même jusqu'à commander les morts, comme vous avez pu le voir. Il a dû dévouer totalement à Louis. Le Zorba que je connaissais était un jeune homme sérieux, bien qu'un peu introverti. Mais donc pas un jeu tactique. Il a mis ce tableau-là par pure dévotion. Il y a peu de choses qui sont aussi dangereuses qu'un zélote. Restons sur nos gardes. C'est vrai. Un mec qui croit dur comme fer en sa foi, c'est compliqué. Portée présente des rois, ils sont criblés de trous. Il n'y a pas d'objet à ramasser. Il y a un truc là-bas. Alors, il y a une porte par ici et une porte par là. On sait pas. Ah bah si, bah y a qu'un seul chemin parce que là il n'y a rien, c'est ça. Ouais. Il a juste tout détruit. Ah, le pire c'est vraiment un zélote, hein. Un mec qui est sûr et certain que sa foi le protège et le sauvera. Vous savez ce que ça donne, hein. Ça donne des gens qui balancent des avions dans les tours. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Right there. Shouldn't be anything we can't handle. Tu nous as pas vu. Ah mais c'est... D'accord. C'était des loups. D'accord. J'avais pas vu que c'était un loup en fait. En vrai. Je croyais que c'était une statue à terre. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai les yeux qui fonctionnent. Ah, le chevalier est bientôt niveau 20. Très bien. Elle va. De toute façon, une fois que j'ai mes archétypes niveau max, si je peux pas les améliorer, on changera d'archétype évidemment. Surtout que le chevalier, moi, je le trouve très très peu utile. Il l'est déjà dit, hein. Et pour moi, je le trouvais très peu utile. Hop, ça dégage. Alors pourquoi je le trouve peu utile, c'est par rapport aux dégâts qu'il fait. Enfin, il fait pas de dégâts, c'est surtout de la défense. Alors c'est fort, hein. Yes. Des fourrures brillantes. Ok, plus de force, très bien. Merde! J'ai appuyé trop tard. Il lui restait rien en plus en vie. Voilà. Envie en... En machin. Ah, elle fait vraiment pas de dégâts. Hein. Par contre, elle est solide. Voilà. Ça va. Ouais, c'est vrai que pendant le début du tour, elle est plus solide. C'est vrai. On va se soigner. Hein. Voilà. Les chiens. Mais on le savait. Light. Still here? Observe the enemy. Fight there. Numbers I can't have. Stroll, you gotta aim better. Stroll. Ça va. Let's. I won't hold back. Flare. Just one left. The captain took one down. Take this. Try some of this. On va pas chercher à comprendre.
Nice. Great job, everybody. Compétence, Hulkenberg. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils la mettent pas en haut. La compétence de soin. J'aurais préféré qu'elle soit au-dessus. We have the edge. C'était mieux, mais bon. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est pas grave. Toujours étourdi. Hop. C'est ça que je voulais faire. Très bien. Quand on les prend de dos, c'est facile à tuer. Victory is ours. Ok. Je rappelle que je fais plein de combats, mais on en a pas besoin en fait. Let us settle this, and we'll win this. Ok. Try some of this. Hit your weak point. Keep it up, Stroll. Let's finish this. Not bad. Let's keep it going. Right there. Only two enemies left. Taste steel. Just one. On va faire ça. Come forth, royal soul. Il va pas se réveiller évidemment. Yes. Yes, c'est bon, on a gagné. Ah, c'est l'attaque surprise, c'est quand même un banger comme disent les jeunes. Une valeur sûre hein, dans le jeu. Not too shabby. Let's keep this up, everyone. Not bad. Ok, niveau 12 pour le soigneur. What? He's here! Parce que le voilà! Well, well. I truly didn't expect you to make it this high. I applaud your resilience, if nothing else. Tu sers à rien, mec. The sanctuary was all but flooded with Magla. Zorba! Was that your doing? You've heard of me then. Well, considering Lord Luis's influence, I suppose I shouldn't be surprised. Tell us, those bizarre Magla crystals, they shouldn't naturally form in a place like this. Are you responsible for them? Hmm? Oh, you mean the Melancholia crystals? Oui. All I did was place a passable core or two along the path to make it easier for them to form. Melancholia crystals? Yes, little more than a parlor trick to block your path using the newly formed crystals. Oui, mais ils sont... ça a été facile. All magic is derived from motes of Magla. What you saw was just one possible crystallization of it. One that drives mortals to madness. Speak sense. You claim this horrific aberration is something natural. That you had only the barest hand in its power? Melancholia, pure and simple. The result of pure Magla at its most dense. Man or beast, any wretch who feels its power will go berserk. They'll see anyone as a threat. Some have their bodies harden like scales, some their very bones twist inside them, until they're something else entirely. Melancholia, what are you trying to achieve? It's the scepter you're after, isn't it? You certainly ask a lot of questions. I'm afraid I haven't the time for answers. There is much yet to prepare. Tu sers à rien, mec. Hey, I'm not done talking to you. You've done nothing but talk. Perhaps you should have listened instead. Sympa. Is this a piece of bone? I had to find some use for the scattered pieces I couldn't animate into soldiers. And now I have three more fools to grind down for the pile. D'accord. Look out! Take cover! Le mec n'a vraiment pas de considération pour les morts. Ugh. Don't fancy our chances making it through that. What do you think? On peut frapper les os. Maybe if we hit the bones hard enough? We've no weapons that could hit them at such distance. How about we fall back for now?
There's not much we can do here. I don't like it, but we've no other choice. It really has been one nuisance after another here. I suppose my crushing you will be the last lesson you learn. Come to me if you can! Uh-huh. That damned Zorba. He would go to such lengths to desecrate the royal's legacies. Damn frustrating to get stuck after coming this far. No other paths either. Are we just going to have to charge through? We cannot evade such a barrage, nor will our armor protect us fully. There has to be a better way. Quelqu'un finirait par manquer de munitions, il nous faudrait un bouclier. We could use a shield, or something close enough to it. Il y a des tables. A shield? Well, for lack of a shield proper, can you think of anything we might use? Tableau de Louis. The painting of Louis. What? From the portrait hall? Ah, of course! A marvelous gambit! Mais oui, il n'osera pas. If we shield ourselves with Louis's portrait, Zorba may well refuse to fire upon us. But it's just a flimsy painting. A painting that he took the trouble to protect, transport, and mount. If he truly worships Louis, might he not hesitate to shoot it? Nous allons utiliser sa foi contre lui. Point taken. I suppose it's our best shot. Ah, lol. What? You degenerates! That's... Bande de dégénérés. Don't mind us. We've rubbish to dispose of. Rubbish! You heathens! I'll pulverize you! Try if you like. Be ashamed to destroy your Lord Louis's pretty face, though. C'est un grand panneau, un grand, une grande peinture quand même. Ah, underhanded, treacherous little! That's rich coming from you! Silence! You witless incompetents! I can't tarry here any longer. I have important things to do. However, you defile Lord Louis with this, this blasphemy! You'll pay! I swear, I'll make you regret this! Is a faible. So it's desecration when it comes to his lord, but the sanctity of the dead means nothing. Tout à fait. No kidding. We must be getting close. But. Okay. Forward. C'est quoi ces trucs là? Let's take je sais pas. Taste steel. Ah, ils sont faibles à ça. Hein. Let's take cover. Flare. Two remaining. Ils sont faibles à ça. Falkenberg got them right no. In their weak spot. Try some of this. Great okay. Job, Stroll. We can do. Ah. Is everyone all right? Il est bien qu'ils en réussissent à 1. Le problème, c'est que voilà. Et ça fait de la glace, d'accord. Ça va. Prendre de dégâts, ça va. C'est faible au feu ou c'est faible aux épées? 80 de tout, donc c'est 20 par ennemi. Act fast! This is a witness! Try some of this! Right, let's keep this up! Now come forth, royal soul! Up! Let's finish this! Not bad. Nice going, Captain! Falkenberg got them right in their weak spot! Taste steel! Up! Steel always comes through! Voilà! On va faire ça. Ça va être faible au feu, hein, parce que ça fait de la glace. That's the last of them! The way's clear! Morceau de glace, très bien. Par contre, j'ai pas regardé, c'est vrai qu'on peut voir les stats des ennemis. Fallait pas que ce soit toi qui tape, je pense. Analyse. Ah, ça renvoie la glace, l'électricité ne leur fait rien, le feu est faible, ils résistent aux contondants, ils sont faibles aux perçants. Okay. Donc c'est bien le feu
qui fait qu'il soit faible. It's okay. We can do this. The next one's yours. By the swan. Falkenberg got them right in their steel. Ça me paraît bien. De passer si je peux. Great work, everyone. Good. Yes. Plus de force et plus de chance. On l'a déjà affronté lui, non? Alors. Ah. Ce n'est plus de ça. Hop. On va faire ça. Les réveiller. Pas très grave. Ok. Souffle de lumière. C'est peut-être pour ça qu'il est résistant à la lumière. Monsieur fait de la lumière. Oh, le crit. Nickel. I shall fight as the no- I will fight- Invocation. Il a invoqué des loups. Three enemies left. We can do this. Falkenberg got them right now, in their weak what's the play? Taste steel! Hit their weak point. Let's go. Up, light! Still here? Dégage. Is everyone all right? Allez. I see you. I shall fight. Try some of this. Almost finished. It's okay. We can do this. Merci. Stay sharp. It's up to going, Captain. La ligne avant est ciblée. Only one left. Alors. We're clear. To safer ground. Je sais qu'on fera moins de dégâts, mais. Falkenberg got them right in stepping back. After me. Non. I shall vanquish evil. Not done yet. I'm falling back. A tough one. I see you. In the. À moins de dégâts, mais bon, on s'en fout. Au moins, on prendra pas de dégâts. Loupé. Talk about a close call. Forward. Hop. Still here. Moving to the front. Ah oui, still here parce que tu as pas fait de dégâts. Ouais, hein. Ah, tu as fait 12 de dégâts, forcément. Il a survécu, monsieur. Great work, everyone. That'll do. Don't let your guard down. Le guerrier qui monte pas mal en niveau. Let's push through. I'll give it my all. Let's go. Ok, Try some of this. Je vais faire ça. Let's keep it up, back. Flare. Ça, toi, tu vas taper lui. Toi, tu tapes lui. On récupère un petit peu de temps. Il est KO. Très bien. Toi, en taille oblique. Pas de dégâts. I stand ready. Tu vas faire une frappe comme ça. Comme ça, toi, tu peux refaire une entaille oblique derrière. Et ben. Yikes! Here comes the counter. Il nous fait la même. Alors. By this power, light. A tough one. Is everyone all right? Par contre, j'aurais peut-être pas utilisé toutes mes attaques de magie. I can't afford to hold. Try some of this. Let's stay calm. Let's finish this. I see you. Parce que mine de rien, j'ai plus beaucoup de magie. La ligne avant est ciblée. Très bien. Only two enemies left. Stay sharp. Take steel. Hit their weak point. The power. Moins de dégâts, mais. Still here. Is everyone to the rear guard? Au moins,
On va pas prendre de dégâts. Vas-y. Try some of this. Comme ça, on prend pas de dégâts encore une fois. Et il va faire son sort. Ça a l'air d'être du vent, hein. To the four. Allez. They die hard. Time for some close combat. Still up? Charging in. Oui, tu fais pas de dégâts, mec. Je te rappelle. T'es spécialisé en magie, en mana. Smooth finish. Great work, everyone. J'ai pas pris de dégâts dans ce combat. D'accord. Yes, 15 étoiles. Nouvelle compétence. Dissipe les effets de debuff de tous les alliés. Ah, ça c'est fort. We are safe for the time being. En vrai, c'est très fort. Everything's pretty standard. Une cellule anti-magla. Très bien, on va pouvoir sauvegarder. Ok. Cavité anti-magla, on pourrait se reposer, oui. Alors, j'ai juste parlé à mes alliés. Parler aux alliés. However, Zorba n'est plus le même homme que par le passé. Pas étonnant que je ne l'ai pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas aussi fou ? Yes. Non, on pouvait lire que de la peur dans ses yeux à l'époque. Il était la cible de moquerie en raison de ses origines. Passé pour un lâche incapable d'utiliser de la magie à part pour déplacer les objets, on le surnommait le Veulbâtard. Alors qu'aujourd'hui, c'est un nécromancien résolu à terroriser la capitale royale tout entière. Ce n'est pas ce qu'on appelle une histoire heureuse. De quoi parle... Que crois-tu qu'il fait là-haut? Quel que soit son plan, il ne me dit rien qui vaille. On doit l'arrêter. Très bien, et bien nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!